Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle leçon, une nouvelle unité 3 qui porte le nom de santé et hôpital. Vous avez ce document sur le bienvenu et moi j'ai fait un petit résumé, le voilà. Sami, l'ami de Gamel, a eu un accident dans la rue. Gamel et Ali sont allés le voir à l'hôpital car une voiture l'a renversé. Sami a mal au bras et à la jambe. Il peut marcher dans quelques jours. Le médecin lui conseille de prendre le médicament et de ne pas s'inquiéter. Donc, j'ai compris que Sami, l'ami de Gamel, il a eu un accident car une voiture l'a renversé. Il a eu mal au bras et à la jambe. Gamel et son ami Ali sont allés le voir à l'hôpital et nous remarquons que le médecin lui conseille de prendre le médicament à l'heure et de se reposer et de ne pas s'inquiéter. Passons maintenant aux questions-réponses. Qui a eu un accident? Qui a eu un accident? Sami, l'ami de Gamel, a eu un accident. Où est Sami et pourquoi? Sami est à l'hôpital car il a eu un accident. Troisième question. A-t-il mal? Il a mal au bras et à la jambe. Quatrième question. Quand Sami peut marcher? Il peut marcher dans quelques jours. Cinquième question. Qui est allé rendre visite à Sami? Gamel et Ali sont allés rendre visite à Sami. J'espère que vous avez bien compris ces questions-réponses. Passons maintenant au lexique. Nous avons un accident, l'hôpital, une ambulance, une seringue, un médicament, voir, renverser, examiner, conseiller, se reposer. Ça, c'est le vocabulaire. Passons maintenant le corps humain. Le corps humain et les parties du corps humain. Nous avons ces photos, une langue, un bras, une bouche, un nez, des yeux, une jambe, des cheveux, une main, un genou, des pieds, une tête et une oreille. Normalement, je dois apprendre les parties du corps de l'être humain. C'est très essentiel. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous dis merci et au revoir.